est né en 2013, donc ça fait bientôt 7 ans. Notre cœur de métier, c'est de créer des collections de t-shirts, souvent à connotation humoristique, mais aussi maintenant des sous-vêtements ou encore des mugs. On a zéro surproduction puisqu'on produit en flux tendu tout ce que l'on vend. Historiquement, notre t-shirt était uniquement un site e-commerce. On est toujours un site e-commerce et ça reste notre cœur de métier, mais on s'est développé en effet en boutique. De boutique ouverte, nous avons Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Le quatrième projet est à Rennes et c'est pour le printemps 2020. On a installé une imprimante numérique dans la boutique et le client peut venir avec le visuel de son choix pour imprimer un t-shirt ou un sweat. On fait aussi des magasins éphémères et ça depuis maintenant 4 ans. Donc on a fait des croissances à 3 chiffres pendant près de 4 ans. Aujourd'hui, on est sur des croissances à 2 chiffres, mais ce qui reste un bon résultat. Le recrutement, bon, on est passé de 3 personnes à 60 en l'espace de 6 ans. Notre priorité de développement reste le marché national, le marché français, mais de diversifier notamment en termes de produits, que ce soit sur les collections que l'on propose comme les produits que l'on peut personnaliser. Plus où on peut aller, nous irons. On a des vues sur des villes comme Paris, forcément, on est beaucoup demandé, Lyon, Rouen, Strasbourg par exemple. Petite histoire de ce t-shirt, c'est que 3 des cofondateurs sont originaires du Libournais. Donc Lormont pour nous, c'est pas très loin de nos racines. Parmi 3 cofondateurs, on est 2 frères et un ami d'enfance. Donc venir à Bordeaux était pour nous un peu une condition sine qua non à l'entrepreneuriat. Shine like gold.